L'égalité des chances, elle fait partie intégrante du fonctionnement de l'école. Et pour la mettre en œuvre, je pense qu'il faut un management des établissements, une cohérence des équipes pédagogiques, la prise en charge globale de l'élève par les équipes pédagogiques, le fait qu'on accompagne davantage les élèves dans leur cursus, que ce soit pendant le temps scolaire, mais hors temps scolaire. Et puis c'est aussi le fait qu'on donne aux élèves les moyens culturels, artistiques et sportifs de s'émanciper. C'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question de ce qu'était l'élève en tant que tel, quelles étaient ses difficultés, comment les équipes pédagogiques et éducatives pouvaient partager un projet d'établissement et un projet d'internat pour que l'élève soit suivi tout au long de son cursus scolaire, qu'il soit accompagné dans ses difficultés, mais qu'il soit accompagné aussi dans ses performances pour aller plus loin, qu'on lui donne une ambition scolaire, qu'on agisse fortement sur la maîtrise de langue française, qui est quand même le guide de ce qui fait la scolarité et peut-être aussi le lien républicain qui permet à des élèves, quelles que soient leurs origines, de se regrouper et puis à faire en sorte de leur donner ce passeport culturel que des élèves de milieux défavorisés n'ont pas forcément et qui leur permet justement de combler un peu le fossé dans l'enseignement supérieur qu'ils ont avec certains élèves ou étudiants issus d'autres milieux. La liberté qu'on laisse aux équipes pédagogiques d'expérimenter des choses, d'innover, sans forcément sortir du cadre des programmes donnés par le législateur, mais proposer sur le temps scolaire, sur le rythme d'apprentissage, sur le fait aussi de donner aux chefs d'établissement les moyens de conduire leur politique, sans là aussi sortir de ce qu'est ce que sont les textes officiels, mais en tout cas d'avoir la jouissance d'une équipe pédagogique autour d'un projet pour eh bien, mieux attribuer les compétences, mieux distiller la façon d'enseigner et donc en quelque sorte mieux donner aux élèves. Il y avait un slogan au départ à Sourdin qui était « donner plus à ceux qui ont le moins ». Je pense que peu à peu ça a évolué pour devenir donner autrement à des élèves qui en ont le plus besoin.